Bonjour tout le monde. Dans l'optique d'un potager de 20 mètres carrés, aujourd'hui je réalise mon avant-dernier bac de culture d'une longueur de 2 mètres par 30 cm de large. Il va faire 47 de haut. Petite fabrication rapide et simple, juste pour vous montrer ce que je fais. Allez, on y va. Voilà l'endroit où je vais mettre le bac qui va faire 2 mètres de long et 30 cm de large. En gros, c'est la vache noire. Le seul problème qu'il y a, comme à chaque fois que je fais quelque chose, il y a un problème, c'est qu'il y a un dénivelé, ça va descendre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par monter ceci. Je vais le présenter et on verra. In situ, j'ai mis le premier pied parce que, enfin le troisième pied parce qu'il était beaucoup plus haut. Pour le suivant, je fais la même chose pour être parfaitement de niveau. Là, je vais tracer, je vais couper, je vais visser. Et j'aurai plus qu'à mettre les trois autres planches du devant pour faire le coffrage. Bon, voilà, le quatrième pied est installé et coupé. Bon, maintenant, je vais finir le coffre. Je vais le traiter et puis voilà, et le mettre en place définitivement. Allez, je continue. Le bac a sa place définitive, pas tout à fait fini. J'ai mis donc le plastique à l'intérieur pour isoler le bois de la terre afin qu'il ne pourrisse pas trop vite. Mais quelle opération il reste à faire? Mais le remplir déjà et ensuite faire le dessus pour que ce soit plus joli que ça. Je m'y attelle, on continue. Pour faire le dessus, j'ai pris des demi-ronds que j'ai trouvé à Monsieur Bricolage pour faire les angles. J'ai fixé une vis là, une autre, et je coupe sur place la diagonale. Comme ça, je suis sûr que ça marchera nickel. Je vais faire ça pour les quatre côtés. Bon, voilà le bac terminé. C'est pas parfait, c'est sûr, mais bon, pour moi, ça me convient. C'est pour la campagne. Voilà. Et bien, on va le remplir maintenant, hein, avec de la terre. Mon bac est dorénavant rempli. Bon, maintenant, en attendant de recevoir les poivrons qui seront là à partir du mois de mai, bien, je vais mettre quelques salades et quelques radis. Puis on verra si déjà ça pousse. Je viens de planter des salades Appia et puis quelques radis entre. On va bien voir ce que ça donne. Normalement, les radis poussent beaucoup plus vite que les salades, donc je devrais ramasser les radis avant que les salades soient formées. Faites du moins, je l'espère. On verra. Si c'est pas le cas, ben j'enlèverai les radis pour garder les salades. Bon, voilà, dans la quête de mes 20 mètres carrés, j'étais à 18 mètres carrés. La planche, le bac que je viens de faire, il fait 2 mètres de long par 0,3 de large. Ça fait 3 fois 2 fois 3, 6, ça fait 0,6 mètres carrés. Et chaque pot, c'est des pots de diamètre 36. Donc si on fait la surface, ça fait à peu près 0,10 mètres carrés chacun. Donc en tous les 4, ça fait 0,4 mètres carrés plus 0,6 mètres carrés. Et bien ça fait 1 mètre carré de plus. Donc 19 mètres carrés. Ces pots, ils ne vont pas rester là. Il y en a deux que je vais utiliser pour mes tomates suspendues et deux que je vais utiliser pour mettre des courgettes rondes de Nice.
Voilà, bon, la vidéo est terminée, mais comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un petit pouce rouge, de la partager, de laisser des commentaires, etc., etc. Donc, 1 mètre carré de plus, 19 mètres carrés, plus qu'un, plus qu'un. Sur ce, portez-vous bien et bye les gens!